Merci, Président. Comme il se doit, je vous apporte le salut fraternel de l'UD des Yvelines, une union départementale où nous sommes passés maintenant le deuxième syndicat du département devant la CGT. Je vais faire mon intervention en deux points. Un point qui, pour moi, est un point du passé, voire même un point dépassé. Je parle du rapport d'activité. Je vais donner deux chiffres. 32% d'implantation FO dans les entreprises, 85% d'implantation FO dans les branches. Alors moi, je veux bien, quand Jean-Claude Mailly dit qu'il a sauvé la branche, on peut dire que ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à travers ces chiffres, il aura au moins donné un sacré bol d'air à Force ouvrière. Et je tenais à le préciser. Je voudrais aussi faire remarquer que sur le sujet, la CGT comme la CFDT ne nous ont pas aidés à maintenir quelque chose, à maintenir un syndicalisme dans les branches. La CGT comme la CFDT, rappelez-vous, c'est eux qui ont signé cette position commune et nous sommes dans la droite ligne de cette loi de 2008 que nous condamnons tous ici. Donc le rapport d'activité, avec ça je voterai pour. Je voudrais aussi intervenir vite fait sur un point que j'ai entendu. Quelqu'un a dit que Jean-Claude Mailly irait au CESE. J'avais aussi entendu dire avant qu'il irait certainement au BIT. Mais maintenant, mes camarades, on y a mis Nota au BIT. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux? Maintenant, je vais aller sur le futur. Le futur, c'est quoi? Le futur, c'est tout ce qu'on veut nous faire, notamment en commençant par les cheminots. On va s'attaquer aussi à la fonction publique. On va casser finalement tout ce qui a été mis en place dans notre pays depuis des années. Il y a ce qu'on appelle CAP 2022, avec un sujet qui revient à l'ordre du jour, c'est comment on va pouvoir virer des fonctionnaires. Le chiffre, 120 000. Quand on tape sur les fonctionnaires, traditionnellement, à Force ouvrière, nous, on répond, avant de taper sur la fonction publique, dites-nous à quoi elle va servir. Eh bien, il s'avère que j'ai une revendication que je soumets au Congrès sur l'utilité, sur une des utilités de la fonction publique. À l'UD, nous avons constaté que la finance, la monnaie dans ce pays ne remplit plus son rôle. Cette monnaie ne devrait être qu'un outil de l'économie, un moyen d'échange. En réalité, c'est devenu autre chose qui a asservi l'économie et qui, à travers elle, les salariés qui subissent fusion, acquisition, restructuration, baisse du coût du travail, etc. Avec comme seule règle, une règle qui n'est plus celle de l'économie de l'entreprise, mais celle des banques. Les banques ne pensent en réalité qu'à capter la monnaie. Une Fédé, d'ailleurs, l'avait compris. Elle avait demandé la création d'une banque pour l'investissement. Tout le monde était d'accord sur le principe. Sauf que quand il a fallu la mettre en place, il n'y avait pas de fonds. Personne n'a voulu, par contre, participer à cette création. Une banque sert à quoi ? Création de la monnaie, circulation de la monnaie, conservation de la monnaie, diminution de la monnaie par resserrement du crédit. Et tout ça au bon vouloir de toutes ces banques. Le pouvoir politique, là-dedans, n'a plus la maîtrise de sa monnaie. Moi, je propose donc qu'on ouvre cette discussion au Congrès et pourquoi pas qu'on le rajoute à la résolution. Normalement, un État, un pouvoir politique, quel que soit son niveau, doit reprendre la possession de sa monnaie. Et je demande à ce que ce soit débattu à ce Congrès, car ce Congrès sert aussi à ça. D'ailleurs, les seigneurs au Moyen-Âge, quand il y en a un qui cassait la gueule à son voisin, il en faisait son vassal. Et après en avoir fait son vassal, s'il le respectait, il lui donnait le droit de battre monnaie. Les plus vieux parmi nous s'en rappellent très certainement. Je vous remercie, mes camarades.